Pataille veut direct. Tout va bien. Non, ton bourreau te va à merveille. Merci, c'est disponible chez Fatou Bako. Mettez les cœurs, pardonnez. Donc on reprend, voilà. Comme je disais, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas quelqu'un de juste, je fais des erreurs, je fais beaucoup d'erreurs, je pêche, comme tout le monde. Voilà, je juge, je critique, enfin, pas deux fois, j'insulte. Donc, je ne suis pas parfaite, ok? Mais une chose, c'est que je ne suis pas fausse. Une chose, c'est que je ne suis pas fausse. Quand je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Quand je suis avec toi, que je ne t'aime pas,
Je ne t'aime pas. Quand je décide de t'aimer, je t'aime. Je suis comme ça. Donc, tout ce que vous m'avez dit de moi, de la personne que j'aime, je ne calcule pas ça. Je ne calcule pas. Voilà. Donc, il y a des gens que j'ai portés dans mon cœur sur Facebook ici. Il y a des gens que j'ai portés haut. Voilà. Je sais que ces personnes-là vont penser qu'ils ont gagné. Mais bon, c'est. Excusez-moi. Voilà, donc je disais, ces personnes-là, je sais que ils vont dire oui, on a gagné, on a réussi, parce que ces personnes-là veulent me voir peut-être seule dans ma vie. Bon, ils font tout leur possible. Mais moi, que l'homme soit avec moi, que l'homme ne soit pas avec moi, j'ai Dieu avec moi, c'est ça. J'ai Dieu avec moi, c'est le plus important. Donc, on va avancer. Quand je suis venue sur Facebook, ici, je n'ai pas voulu venir, comme je vous ai dit, aider à tout expliquer ça. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là encore. Venir insulter les gens. Mais j'ai vu des gens qui ont été insultés. Des gens qui ont été dénigrés gratuitement, que je me suis levée pour défendre ces personnes. Pas Babu et son épouse légitime, Maman Babu. Je les ai fréquentés. Bon, on s'est fréquentés virtuellement hein, parce qu'on ne s'est jamais vus. Voilà. On ne s'est jamais vus. Je les ai fréquentés virtuellement. C'est des gens. Enfin, que je voyais trop de haine sur eux, les gens les attaquaient tellement que je me suis levée un beau matin, je commençais à les défendre. J'ai commencé à les défendre, j'ai commencé à faire leur parlable. Dans ça, mon papa, ma maman, mes tantes, mes grandes soeurs, mes grands frères se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. On les a insultés proprement. Je vous fais écouter, c'est une vidéo qui date de 20 mars. Ne connais pas ni Dana ni Dev.
On a un ennemi en commun. Et moi, mais ce n'est pas mon ennemi à l'époque. J'ai défendu, j'ai insulté la montée de ce comportement pourri. Pour défendre ma communauté LGBT. Elle est sortie, elle s'est excusée. Elle ne défend pas de tous les branchés. Mon chef, chacun a levé son pied, chacun a levé sa main, chacun s'est assis. La personne est allée défendre, la personne me suit. Affiche mes fesses sur Facebook. Vous allez me dire que les femmes. Quand elle me demandait pardon. Quand on disait qu'ils ont violé mon enfant, vous avez parlé. Même compte de celui qui va rentrer ici, de mon sein, de mon bébé 5 étoiles qui est sorti. Les autres, regardez. Bref, cette vidéo, je n'ai pas fait tout, écouter toute la vidéo. Hein. Il y a plusieurs vidéos comme ça. Il y en a une dizaine de vidéos que j'ai enregistrées. Ça, c'est à partir de ma clé USB que je vous fais écouter. Donc, il y a une dizaine de vidéos. Que ces personnes-là étaient insultées par elle, coupées tête pour jeter. Et j'ai défendu. Je suis venue ici, j'ai commencé à défendre. Mais aujourd'hui, je suis leur ennemi. Aujourd'hui, je suis leur ennemi. Aujourd'hui, je suis insultée par ces personnes. Aujourd'hui, je suis leur bête. C'est-à-dire que la personne qu'elles ont envie de manger, vomir. Si on les a demandé, je les ai fait quoi? Il y a des gens à qui j'ai fait des choses. Hein. Oui, il y a des gens à qui j'ai fait des choses. Je ne suis pas parfaite. Il y a des gens à qui j'ai fait du mal. Ou bien peut-être que j'ai insulté sans m'en rendre compte. Il y a des gens qui ne m'ont rien fait. Mais si on demande à ce couple-là, à maman Babu et pas Babouin, Aïa même là, elle vous a fait quoi? Au juste, elles ne pourront pas répondre parce que je leur ai rien fait. Juste parce que je me suis réconciliée. Je ne voulais plus faire palabre avec Lolo, je ne voulais plus. Je suis devenue leur ennemi. Et aujourd'hui, moi qui combattais, c'est-à-dire que dans le groupe que j'ai cité là, avec tout le respect, et c'était qui? La grande soeur Beyakou, non, tu m'excuses. Toi, tu fais politique, il ne faut pas y mettre ton nom, mais tu étais dans le groupe. Farachou était dans le groupe. Farachou était dans le groupe. Ma grande soeur Farachou, tu n'es pas dans les conneries, mais c'est truc. Il y avait mon grand frère Yaka, il y avait. Tous, on était peut-être une quinzaine de personnes. Mais il n'y a personne qui s'est levé quand il y avait leur problème ici. Il y avait un bruit sur eux. Il n'y a personne qui s'est levé. J'étais la seule. J'étais la seule sur Facebook ici. La seule. Elles ne m'ont pas envoyé. En tout cas, elles ne m'ont pas envoyé. L'injustice envers eux. Je me suis levée ici. Quand elles mettent ça, je dis tant. Quand elles mettent là, je dis tant. Quand elles mettent là, je dis tant. Les défendre. Ma Babu était en France. Ma Babu était au Maroc. Et Abidjan. Défendre corps et âme. Contre toutes ces personnes-là. Je ne mets pas les vidéos de l'autre. Parce que l'autre et moi, on... Je pense qu'elle ne parle pas sur moi. Je n'ai pas venu mettre ces vidéos. Mais je parle de celle qui... Mais aujourd'hui, ceux que j'ai défendus sont devenus amis avec celles que j'ai défendues, celles que j'ai insultées pour leur donner. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? C'est-à-dire que ceux que j'ai défendus et mes parents étaient exposés, elles sont devenues amies juste à cause de Lolo Beauté. Et elle-même qui défendait Lolo Beauté aussi contre ces personnes, est devenue ennemie à Lolo Beauté et est devenue amie avec celle qui l'avait insultée, qu'elle insultait dans ses Facebook. Je n'ai rien fait à ce couple-là. Juste parce que j'ai fait la paix, je suis devenue leur ennemie. Pourtant, je pêche sur Facebook. Je pêche. Mais eux, je ne les ai rien fait. Oui, oui. Eux, je ne les ai rien fait. Je suis quittée dans leur affaire. Ils sont quittés dans mon affaire. Je ne les ai jamais critiqués. Je ne les ai jamais lancé des pics. Je ne les ai jamais torpillés. Rien. Ils se sont levés un bon matin parce qu'ils nous ont vus avec Lolo Beauté. Ils se sont commencés à m'insulter. Et puis, c'est allé où ça arrivait. Donc, ça, c'est les réseaux sociaux. Ce que tu défends, tu exposes tes parents pour eux. Aujourd'hui, tu es insulté pour ceux-là. Et ceux que tu as... C'est que celle qui a insulté ses parents, c'est ses amis
Et aujourd'hui, ces mots, je suis devenue la Jaili. Donc, ils se mettent ensemble maintenant pour m'insulter. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ben, moi-même, je suis pas parfaite. Moi-même, je parle aussi. Moi-même, je m'occupe des stars. Donc, c'est pas grave. On va aller encore plus loin. Ça, c'est la première. C'est la première. Je parle de ceux avec qui je discute sur Facebook en ce moment. Je me dispute sur Facebook en ce moment, en fait. Donc, je vais pas... Voilà. Je vais pas... Comment on appelle ça? Mélanger les choses. On va pas aller... En ce moment, il y a un truc qui se passe. Donc, on va parler de ça. On va aller plus loin. Je vais vous faire écouter. Voilà. Attends. Attendez. On va arriver au statut, là. Le statut qui s'est fait sur Snap. On va arriver à ça. Ne vous inquiétez pas. Marié d'abord. Va lui dire, elle n'a qu'à ta mère, elle n'a qu'à laisser me marier d'abord. Va lui dire, éducation elle t'a donné. Hein? Bleu. C'est quelle éducation tu as donné à ce bâtard là? Qui va se permettre de venir mentir sur la toile comme ça? C'est quelle éducation? Mais ça, c'est un bâtard que tu nous as fabriqué pour nous déposer. C'est un gros bâtard dans ta prostitution de... Tu dis tu fais le théâtre là. Dans ta prostitution, tu dis tu fais le cinéma, puis personne ne te connaît là. C'est dans ça que tu vas te soulever un bâtard qu'on s'en vient de poser sur Facebook. Oui, c'est moi j'ai dit ça. C'est dans ta prostitution là. Dans tes tromperies là. Dans tes projets de vouloir faire tes théâtres à deux balles. Et puis les producteurs, les réalisateurs couchent avec toi pour te donner des petits rôles de bas. Les rôles de n'importe quoi là. Et, parce que tu n'as jamais eu de problème. On te baise cadeau. On t'a baisé cadeau dans tout le cinéma ivoirien là. On t'a baisé cadeau. C'est moi j'ai dit ça. Parce qu'une femme qu'on baise pas gratuitement, elle ne peut pas soulever le nom de quelqu'un pour coller sur elle. Moi-même, je ne suis pas mariée là. Mais quand l'école de mon enfant m'appelle, on dit allô, madame Kanté. Oui, moi, je ne suis pas mariée. Mais quand l'école de mon enfant m'appelle, ou bien la PMI, ou bien, je ne sais pas, quand on m'appelle, on dit allô, madame Kanté. Moi-même, je ne suis pas mariée. En Côte d'Ivoire, depuis quand on appelle quelqu'un, on appelle la personne parce que tu n'es pas mariée, tu t'en soulèves le nom du monsieur collé sur toi. Tu n'es pas mariée, tu t'en soulèves le nom du monsieur collé. Ça, c'est un prostitute comme ça. Et puis, toi-même, ton bâtard de fils qui vient s'asseoir sur Facebook pour ouvrir sa large bouche là, pour dire aux gens qu'on n'a qu'à aller s'occuper de nos foyers là. Toi-même, tu es sur Facebook, tu ne veux pas aller t'occuper de ton foyer aussi. Toi-même, tu cherches quoi sur Facebook? Le théâtre, c'est sur Facebook. Le cinéma, c'est sur Facebook. Toi-même, tu ne veux pas aller t'occuper de ton foyer? Ou bien ton bâtard de fils, ça ne peut pas te dire d'aller nettoyer les testicules de ton mari que tu appelles mari là. Les testicules du monsieur que tu as soulevé son nom pour mettre sur ton nom pour dire que c'est ton nom là. Menteuse. Tu veux pas aller gratter ses testicules? Tu es sur Facebook, tu cherches quoi? Comment une vieille femme comme ça, une grosse femme comme ça, fais vite, hein? Tu as commencé à maigrir, hein? Sinon tu commences à dépasser le poids normal. Toi, une grosse femme comme ça, tu vas venir faire vidéo, tu vas te mettre sur les réseaux sociaux, et puis tu vas faire, genre, nous on n'a pas fait ça. Nous on n'a pas fait ça. Comment on fait TikTok? On n'a pas fait ça, on fait comme un TikTok. On a fait. C'est ça, on dit, tu représentes la Côte d'Ivoire. C'est ça, là, quand on t'appelle une représentante de Côte d'Ivoire, c'est ce que tu vas montrer, là. Toi, une vieille caracasse comme ça, ton visage gonflé, André, ils ont pompé poupou non poupou dans ton visage, là. C'est moi qui dis ça. Parce que ce bâtard que tu nous as fabriqué, là, ce bâtard que tu as soulevé, puis tu avais déposé sur Facebook, là, fallait l'élever d'abord. Lui, l'élever puis l'éduquer, lui donner une bonne éducation. Mais toi, tu es passé à l'élévation simple. Mmh. Tu es passé à l'élevage simple. Tu es passé à l'élevage.
langage signe. Tu l'as très mal éduqué. C'est pour ça qu'il est impoli vis-à-vis de toi. Quand tu lui parles, il ne t'écoute pas, il s'en fout, il fait comme ça. Il fait ce qu'il veut, il s'en fiche de toi. Il n'en a rien à foutre que les gens t'insultent sur les réseaux sociaux. Lui, il dit aux gens de t'insulter matin, midi, soir. C'est lui qui demande aux gens de t'insulter. Lui-même se bat-là. Il bouge pas femme mariée. Toi-même, tu parles. Toi-même, tu dois ramasser le mensonge pour mettre sur les gens là. Hein? Tu transposes ta vie comme ta sale pute là. Ta vie là, c'est comme ta sale pute là qui voulait ramasser sa vie pour mettre sur moi. Je suis venu par bateau, je suis pute, je suis là. C'est pas toi même, tu couches ton melin là. C'est pas toi qui couches avec une femme mariée. Toi, tu penses que nous on n'a pas tes papos. Toi, tu couches pas une femme mariée dans le melin. Tu penses que je sais pas. Tu es venu me mentir, tu es allé soulever. Vous êtes un menteur dans votre famille là. Vous êtes des gros menteurs, c'est moi qui j'ai dit ça. Vous êtes des menteurs, partagez ce direct là. La femme là va se réveiller pour donner conseil à son enfant. On en a marre. Elle n'a qu'à se réveiller, elle va venir donner conseil à son enfant. Faut te réveiller, tu vas venir donner conseil à ton enfant. Tu vas nous montrer que tu as donné une éducation à ton enfant. Parce que tu l'as pas éduqué, tu l'as élevé. Hein? Parce que quand je vais vous épargner du reste pour ne pas... rendre la vidéo trop longue. On va aller sur ma vidéo. Parce que ton nom même que j'ai dit là, ça va t'encourager de vivre. Misérable fille, c'est pas si tu es femme ou mais tu es garçon. Je sais pas, mais c'est une fois maudite pour prendre son temps, pour créer faux projets, pour te promener sur les directs. Parce que tu n'as rien à faire de ta vie, tu es désespéré quoi. Tu n'as rien à, mais je n'ai rien à foutre quoi ce soir. Mais c'était pour te dire que, hein, moi je ne parle pas derrière d'une femme qui est reconnue dans le cinéma ivoirien. Tu vas t'asseoir, c'est-à-dire que tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Ça, c'est ma réponse, hein. Quand elle a fait sa vidéo, là. J'ai dit, là. Ça va t'encourager. Qui fait des enfants. Franchement. Franchement. Parce que pour que ta mère soit handicapée, c'est parce qu'elle est sorcière. Pour que son visage, ici, là, soit noir, là, là, soit bleu, là. C'est parce qu'elle est sorcière. C'est pour ça qu'elle a raté ses enfants. Ça, c'est moi qui parle, hein. Visage de ta grande sœur, aubergine, beaucoup moins que j'ai vu, là. Son modèle difficile, on est en bas de tabouret, là. Modèle de ta grande sœur, on est en bas de tabouret, là. Le blanc clochard, là, allait soulever pour se marier avec lui, là. Si c'est pas. J'ai dit, hein. Si c'est pas. On va diminuer un peu la télévision. Si c'est pas par désespoir. Blanc, lui, là, peut pas marier celle-là. Enfin, bataille vient de faire, là. Enfin, son enfant là, elle sera la dernière génération de prostitutes. C'est moi qui ai dit ça, il n'y a rien, faites ce que vous voulez. Elle est maudite à jamais, l'enfant de ta soeur là, c'est une prostituée. Tu as fouillé même le père là, même couche avec l'enfant. Tu as fouillé, mais vous doigtez vos enfants parce que vous êtes des maudites. Si, si, vous êtes des maudites. Toi, tu as ta soie avec ton visage et ta grosse langue qui est dans ta gueule là. Pour parler d'une femme qui est reconnue dans le cinéma ivoirien. Tu vas t'asseoir, c'est-à-dire que... Et puis tu vas avoir des imbéciles qui vont venir s'asseoir pour dire non. Ne parle pas comme ça de maman. Donc, vous avez le droit de vous asseoir pour parler de la mère de tout autre. On n'a pas le droit de parler de vous, quoi. Hein? On n'a pas le droit de parler de vous. Il faut être maudite comme toi. Et puis, il faut avoir une maudite mère. Parce que ta mère, c'est la plus maudite du monde, apparemment. Apparemment, ta mère, c'est une maudite. C'est pour ça qu'elle rampe. Ta mère est maudite, apparemment, c'est pour ça qu'elle rampe. Il faut être maudite comme ta mère. Là. Elle est son gros con qui est en bas d'elle, qui coule comme l'eau de son... Ça, j'ai un peu de mal. Ceci là, son goût en sale.
des enfants tolots, des enfants bêtes, des enfants maudites là. Des voleurs, des braqueurs. Parce que tous ces enfants qu'elle a fait, les deux, tous ont fait la prison. Tous tes frères l'ont tous fait la prison. Apparemment, si tu as con en bas de toi, tu parles de Bleu Brigitte. Son enfant à quel âge? Apoutou a 30 ans, elle a fait venir son enfant en France. Apoutou a 30 ans, à 29 ans, elle a fait venir son enfant en France. Son enfant a 28 et 29, elle a fait venir en France. Toi, tes bâtards, tes escaliers que tu as déposés à Abidjan, tes enfants bâtards que tu as déposés à Abidjan, là, il faut les faire venir. Il faut les faire venir en France au lieu de parler de quelqu'un qui a fait venir malgré que son fils est grand. Et puis elle paye. Et puis c'est pas n'importe quelle maman, hein. Elle est madame. C'est pas comme ta mère qui est célibataire en Ducie, là. Ta mère, elle n'a pas de mari. Parce qu'elle vous a fait départager. Elle vous a fait, t'as fait des SOS. C'est comme ça que tu es en train de faire tes enfants. C'est pour ça que tu n'as pas d'éducation, ma chérie. Ta mère, là, elle vous a accouché à chaque carrefour. C'est pour ça qu'elle est maudite. Et puis elle rampe. Elle n'a pas de pied. Il reste bon. Un peu. Ils vont couper ses pieds ici pour jeter. Elle va marcher sur sa tête comme elle marche en sorcellerie, là. Elle doit marcher maintenant. Dieu va faire qu'elle va marcher sur sa tête vrai, vrai. Tu comprends? Si tu... C'est-à-dire que vous vous asseyez, vous adressez aux gens et vous ne pèsez même pas vos mots, quoi. Tu regardes le grand frère Don Giovanni ce qu'il a dit la dernière fois pour répéter ce qu'il dit, pour répéter sur la dame, là. Jusqu'à à la mort de ta mère, ta prostitue de mère, elle ne peut jamais comme Bleu Brigitte. Bleu Brigitte, c'est une femme digne. Tu ne la vois pas? Tu ne vois pas Bleu Brigitte? T'as désespéré de femme qui a beaucoup de corps qui est au Canada, là aussi, là. Jusqu'à sa mort, même si elle va avoir un level de vie, elle ne peut jamais être comme Bleu Brigitte. Parce que Bleu Brigitte, là, quand tu la vois, tu sais que c'est une femme qui est dans la bourgeoisie. Elle ne force pas. Si, elle est reconnue, la Côte d'Ivoire la reconnaît. Tous les présidents qui vont venir en Côte d'Ivoire reconnaissent cette femme-là. Toi, ta mère, on la connaît où? Toi, ta mère... Ça va être ça. C'est-à-dire que... On va arriver, hein. Allons seulement, partagez, mettez les cœurs. Quand elle avait fait une vidéo, soit disant qu'elle défendait, je pense que c'était Don Giovanni qu'elle défendait, insulter la femme, il n'y a personne sur Facebook ici, en ce moment-là. Comme Apoutchou n'avait pas beaucoup de vues. Comme Apoutchou n'avait pas beaucoup de vues. Il n'y a pas quelqu'un qui a défendu la femme là. Il n'y a pas quelqu'un qui a défendu cette femme. C'est moi que je suis venue faire là, une vidéo. On m'a pas envoyé. Oh. Je l'ai défendue. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis la sorcière. C'est moi qui ne suis pas bonne. Moi qui n'ai jamais manqué de respect à cette femme. Moi qui n'ai jamais fait du mal à son fils. Moi, je ne suis pas bonne. C'est elle qui est la bonne. C'est elle qui est bien. Il n'y a pas de problème. On va aller encore. Sur l'histoire que vous savez en ce moment. Parce que je lis dans les commentaires que c'est à cause de moi que les gens insultent. Eka, c'est à cause de moi que les gens l'insultent. Moi, quand je suis sur Facebook ici, là, je faisais mes vidéos. J'ai toujours fait affairage. J'ai toujours fait mes vidéos. Elle m'a connue dans ça. Je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. C'est-à-dire, à part dans comment on appelle ça, dans le cinéma ivoirien, que je la voyais, je ne la connais, je ne savais pas qu'elle était sur Facebook, en fait, on va dire. Il faut bien dire les choses. Je ne savais pas qu'elle était sur Facebook. Et c'est quand elle a commencé à être sur Facebook, c'est une amie même qui a dit. Et puis j'ai dit, oui, je me rappelle d'elle, je l'aimais bien quand elle faisait son cinéma. Bref. Après, les gens ont commencé à l'attaquer de partout. Moi, je n'étais pas encore amie avec elle. Je lui ai dit amie. Je ne causais pas encore avec elle. En ce moment, elle-même, elle causait déjà avec Akbaman. Elles avaient un lien de pouvoir aider un malade. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Moi, j'étais dans mon truc avec Akbaman, les clashs que vous savez là. Mais je ne savais même pas qu'elle connaissait Akbaman, qu'elle se connaissait. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'elle avait le numéro d'Akbaman, c'est un. Je ne savais même pas qu'elle se connaissait. Et puis, j'étais assise un bon matin. Maman a fait une vidéo.
Moi, j'étais étonnée. Je parlais de la femme. Je disais qu'elle me plaît. Elle fait ses trucs, ça me plaît. Mais je n'avais jamais parlé avec elle. Je n'avais même pas son snap en ce moment. Je n'avais pas son snap. Déjà, je pense qu'elle était, elle était abonnée à mon snap. Mais moi, je n'avais pas son snap. C'est sur Facebook que je la suivais. On était juste amis sur Facebook. Mais je l'avais, moi-même, je lui ai envoyé des demandes d'amis sur son propre Facebook. Mais je ne la connaissais pas. C'est mes tatas là qui me parlaient d'elle. Qui, voilà, qui me disait que oui, tant. Et puis j'ai une tata là qui m'a appelé et me dit, ah, les gens sont injustes, donc à laisser la dame, mon père, elle fait ses vidéos, n'a pas de problème avec quelqu'un, pourquoi les gens l'attaquent, aïe, c'est une bonne personne et tout. En tout cas, il y a une tata qui m'a bien parlé d'elle, qui m'a dit qu'elle la connaît très bien et c'est une tata que je respecte et tout. Donc c'est elle qui m'a parlé d'elle. Moi, je ne suis pas allée vers elle pour qu'elle et moi soient amis. À la base, on n'est pas amis. Moi, quand je l'ai vue, je lui ai dit, c'est ma star. Quand je vois des gens dire que je suis une fan refoulée, tout ça, ça me fait rigoler parce que c'est moi-même qui ai ouvert ma bouche. J'ai dit, c'est ma star. Affaire de star, là, c'est moi qui ai ouvert ma bouche pour le dire. Donc, il n'y a pas de refou en ça, en fait. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas intelligents, en fait. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas intelligents. Moi-même, j'ai toujours dit ici que c'est ma star. Moi-même, je vous ai toujours dit qu'elle est ma star. Où est le problème? Il n'y a pas... C'est moi qui ai dit, j'ai toujours dit ici que c'est ma star. Voilà. Mais avant que moi, je ne parle avec elle, parce que j'ai toutes les dates, mais pour l'instant, je n'irai pas trop loin dans l'histoire, en fait. Avant que moi, elle rentre en contact avec moi, avant que elle-même rentre en contact avec moi, que je mettais ses trucs, je partageais ses directs, j'étais souvent dans ses directs, je lui faisais un coucou. Mais avant ça, Akpama avait fait une vidéo. Elle est déjà signée, elle. Sa photo sur moi qui est mise sur Facebook, elle est devenue parano. Écoutez. Paranoïa va la dépasser. Elle appelle tout le monde. Elle m'a dit, Keita m'appelle, allô, Edwige, s'il te plaît, tu peux supprimer les photos de Aya. Je dis, je ne supprime rien. Je ne supprime rien aujourd'hui, je ne supprime rien demain. Ça va rester sur ma page pendant un an. Et dit, elle va me frustrer. Elle va m'amuser. Que non, c'est une fille que j'aime bien et tout. Donc, je dis, tu m'emmêtes. Je ne supprime rien. Elle dit même qu'elle a dit à Eka que Eka l'emmête. Moi, je ne savais même pas que Eka... C'est-à-dire que on n'a jamais parlé de elle et moi avec eux. Ça veut dire que jamais. Donc, quand elle a dit que... Et quand elle a appelé pour lui dire qu'elle a supprimé mes photos, moi, j'ai été étonnée. Parce que je n'avais pas le numéro de... Je ne causais même pas avec elle. Je sais que je n'avais même pas dans son inbox. Donc, quand elle a dit ça, elle a fait la vidéo là en août pour dire ça. C'est comme ça que moi, j'étais étonnée. J'étais tellement étonnée. Et le même jour... Il savait que elle m'avait envoyé un message pour me dire pardon, je viens de parler avec cette dame là, j'avais pas traité avec elle pour une histoire de temps. Je vous ai déjà fait écouter ça, cette note là. Que elle m'a dit, je suis allée parler avec elle parce que j'ai son numéro, je l'avais contacté pour ça. Elles se sont contactées avant. Elles se sont parlé avant au téléphone. C'est-à-dire que elle-même elle l'a eu au téléphone avant que moi-même. Quand elle me écrit les deux fois, la première fois qu'elle me écrit, c'est pour me parler de son ex-camarade. Quand je faisais affaire sur son copain. La deuxième fois, c'était pour Akpama. Donc, moi-même, je ne savais pas qu'elle connaissait Akpama. Je ne savais pas. Mais j'ai déjà vu une vidéo où Akpama l'a bien insultée. Akpama l'avait traitée de menteuse. Akpama l'avait dit qu'elle devait donner l'argent pour aider un malade. Elle n'a pas aidé le malade. Où Akpama a sorti tous ses papiers. J'ai la vidéo même sur ma clé USB. Akpama a sorti des papiers que pourquoi elle a fait envoyer son RIB. Le RIB est parti, ils n'ont pas aidé le malade et tout et tout. Akpama l'avait traité de tous les noms. Donc moi-même personnellement, quand on me dit ça à cause de moi, Akpama l'insulte, je suis dépassée en fait. Je suis dépassée. Parce qu'Akpama l'insultait bien avant. Ils ont eu une histoire d'aider quelqu'un qui est malade. Et je pense qu'ils se sont appelés après le RIB n'a pas été fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Akpama, elle a dit après qu'Akpama qu'elle allait envoyer l'argent elle-même directement. Akpama a fait une vidéo sur elle pour l'insulter. Et puis maintenant, Akpama est venu faire cette vidéo. Moi, j'ai été étonnée. Akpama l'insulte bien avant moi. C'est parce que Akpama l'avait insulté dans une vidéo que je n'ai pas appréciée que je suis venue la défendre. Je suis venue la défendre. Donc, quand vous dites que moi, elle colle son image à moi, je salis son image en quoi? Parce que je l'ai plus défendue dans elle-même son palabre. Elle a déjà fait mon palabre quelque part. Non. Moi, quand j'aime quelqu'un, j'aime la personne. Les gens viennent me dire, Marie, voilà, je n'écoute pas. Combien de personnes qui sont dans mon téléphone, je n'écoute pas quelqu'un.
Donc, cette fille-là insultait déjà la dame. Elles se sont déjà eues au téléphone depuis perpète aux oies. Pour une histoire d'association et d'un gars qui est malade ou bien un monsieur qui est malade. Je ne sais pas leur histoire. Mais elle avait fait une vidéo pour insulter la dame. Et moi, j'avais vu cette... On m'a envoyé cette vidéo-là. J'étais tellement dépassée. Je n'ai même pas demandé son avis. C'est forcé d'aider quelqu'un. La dame dit, elle va te faire un don pour que tu puisses... Mais elle ne veut plus faire le don. Elle-même, elle va aller faire elle-même son don. Tu l'insultes pourquoi? La première vidéo que je fais pour défendre, jusqu'à elle-même, elle avait fait un post. Elle voulait venir répondre à maman. C'est moi qui lui ai dit non. C'est pas bien répondre. Et puis, elle avait supprimé son post. Elle se parlait d'abord. Elle avait son numéro. Même moi, elle n'avait pas mon numéro. Hein. On parlait seulement sur WhatsApp, sur Snap. Elle m'a écrit deux fois sur Snap. La première fois pour son ex-ami. Et puis la deuxième fois, c'était pour Akbama. C'est-à-dire qu'elle allait parler à Akbama sans mon consentement. Je ne l'ai jamais envoyé d'Alice Akbama de supprimer mes photos. On n'avait jamais parlé à Akbama auparavant. Elle m'a envoyé long test, me dit, arrête que tant je viens de parler à la fille. Faut pas écouter les gens et tout, nanana. Faut laisser tomber, épargne les enfants, j'aime les enfants. Bref, je ne l'ai jamais envoyé, c'est ce cadavre moi. Je n'avais jamais parlé d'Akbama auparavant. Je ne savais même pas. À part qu'Akbama a dit qu'elle l'a appelé pour dire qu'elle va faire don là. C'est là qu'il a dit, ah, c'est qu'elle se connaissent. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, arrêtez un peu de dire dans les commentaires que, à cause de moi, on l'insulte. À cause de moi, on l'insulte. C'est pas la seule star que je côtoie. Voilà. C'est pas la seule star que je côtoie. Vous avez déjà vu on insulter ces stars à cause de moi. C'est pas la seule star que je côtoie. C'est plus quand les gens sont sur elle que moi je sors pour venir la défendre. En tant que moi, je dis c'est ma star. Quand tu dis que quelqu'un est ta star, tu défends la personne. Si la personne a attaqué, les femmes sont faites pour ça. C'est parce que moi, je fais vidéo sur Internet. Il y a des femmes qui défendent en commentaire, qui vont lutter pour leur star. Moi, moi-même, j'ai des gens qui m'appellent star. Je suis même fan des gens. Je suis la star des gens. Mais moi, je dis, elle est ma star. C'est pas parce qu'elle est plus... Elle est... Mais moi, quand j'aime quelqu'un, j'aime la personne. Et je trouvais plein d'injustices. Son premier palabre ici que j'ai fait, c'était le palabre de elle, sa camarade, qui voulait la dénigrer. Apparemment, elle est venue défendre sa camarade là ici. Deuxième, c'était à fait. Il y a eu tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici? Que elle, que son copain, laisse là même là. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Est-ce que j'ai écouté ça? Jusqu'à une grande soeur même qui est au Maroc, même j'ai entendu sa voix aussi. Mais est-ce que j'ai écouté ça? Est-ce que vous m'avez vu venir dire que je ne veux pas associer mon image, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela? J'ai dit, quand j'aime quelqu'un, peu importe ce qu'on m'a dit, malgré que j'ai écouté la voix de Domichou, je n'ai pas accepté. J'ai dit que, hé, je m'en fous. Vous vous êtes moqué de moi ici. Il y a eu plein de vidéos où les gens sont moqués de moi. Les messages de tout de chambres, les gens se sont moqués de moi ici. Tu défends quelqu'un même, voilà comment elle te critique, voilà comment elle fait ceci, voilà comment elle fait cela. J'ai écrit test pour dire quelque chose à quelqu'un. J'ai écrit ça pour dire quelqu'un. Vous dites que c'est baisse, c'est pas baisse. Moi, je veux juste ce soir vous dire quelque chose. Une personne qui ne veut plus associer son image à toi, n'associez plus mon image à cette personne. Je ne suis pas en palabre avec elle. On n'est pas en palabre. Je n'ai pas pris son test en mal. C'est vous qui êtes en train de faire tout ça. C'est vrai que quand on lit le test, il y a le français. Quand vous savez que je suis bête peut-être, je ne suis pas allée à l'école. Hein. Mais entre les lignes, on sait tous lire. Mon papa s'appelle Robert Jean. Ma mère s'appelait Elonia Messon Simon. Je ne suis pas parentée à quelqu'un sur Facebook. Ça fait plusieurs palabres des gens que je fais. Je me retrouve dans la honte. Je me retrouve dans l'humiliation. Mais je dis merci à toutes ces personnes-là. C'est-à-dire que vous ne m'avez pas envoyé. C'est moi-même qui me suis levée, venir vous défendre. Parce que je ne me connais pas. Parce que je ne connais pas moi-même peut-être ma valeur. Parce que j'aime les gens qui ne m'aiment pas. Et je pense que ces personnes m'aiment, pourtant non. Ça fait trois humiliations que j'ai sur Internet. Aujourd'hui, j'appelle ça de l'humiliation. Donc, apparemment, tu peux te mettre à l'aise. M'insulter comme tu veux.
que je t'ai, insulte-moi comme tu veux. Faut pas t'arrêter, hein. Oh, arrêtez d'appeler. Attends, j'arrive. Attendez. Hein. Combien de temps que j'étais? Insulte-moi comme tu veux. Moquez-vous de moi. Pas babi, ma babouin. Insultez-moi, ne me ratez pas. Insultez-moi pour pas, c'est tout ce que je mérite. Oui, c'est tout ce que je mérite. Ne me laissez pas, hein. Insultez-moi jusqu'à... Il faut que ma mère se lève dans sa tombe. Pour sortir, venir me m'enlever cet amour-là, ou bien que Dieu enlève ça de mon cœur. Aimez les gens. Vous avez raison. Ne me ratez pas. Faut même pas dire qu'on pourrit seulement. Je n'ai pas que qu'on pourrit. J'ai le cerveau qui est pourri. J'ai ma vie qui est pourrie. Ne rate rien. Insulte-moi, mais proprement. On va en venir à mes larmes pleurent. Vous dites que c'est à cause de moi, mes larmes pleurent l'a insulté. Mais je suis désolée. Mes larmes pleurent avait fait une vidéo auparavant. Quand il y a eu l'histoire de Souleymane Kamagaté et puis l'ex, elle avait fait une vidéo pour insulter Eka. C'est pas à cause de moi. C'est pas à cause de moi. Donc si vous voulez m'insulter là, insultez-moi. Moi-même personnellement là. Ne me ratez pas. Est-ce que vous comprenez? Oh, attendez. Allô? Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Non. Allez, arrête. D'accord. Je te rappelle tout ce qu'il y a fait. Hein? Vas-y. Tu vois, non? Vous voyez, non? Insultez-moi. Ne me ratez pas. Parce que vous avez fait là. Augmentez le volume de l'injure. Insultez-moi copieusement. Insultez-moi. C'est-à-dire que il faut réveiller même ma mère dans sa tombe pour qu'elle vienne me donner conseil. C'est quel genre d'enfant elle a fait sur la terre qui est Aya Robert, qui se lève à aller suivre les gens qui ne la considèrent pas. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Insultez-moi, ne me ratez même pas. En parlant de ça, j'ai vu un truc aussi avec... l'histoire biscuit de mer. Il faut que je trouve la capture. Où est la capture? Oh, j'espère qu'il me suis envoyé. Je suis son enfant. Attendez. Attendez une minute. Est-ce que monsieur envoie? Oh là là. C'est dans mon autre téléphone. Un pasteur avait fait un post pour dire que Biscuit de mer allait mourir, allait faire ceci, allait faire cela. J'ai vu des pages camerounais partagées. J'ai vu des pages congolais partagées. J'ai vu des pages ivoiriens partagées. J'ai vu des affairages sur Snap partagés. Quand j'ai reçu la capture, j'ai aussi partagé. Oui. Quand j'ai reçu la capture, non, personne n'est méchant. Ne m'avez pas dit que l'homme est méchant. Non, non. Insultez-moi, ne les insultez pas. Hein. Je ne veux pas que quelqu'un insulte à maman, ni couper tête pour jeter, ni par babu. Laissez-moi dans les commentaires, insultez-moi. Je ne veux pas que vous insultez quelqu'un. Et c'est moi que vous devez insulter. N'insultez pas quelqu'un. Hein. C'est moi, je suis la bête. Laissez les gens là. Tranquille, ils ne m'ont pas appelé. Est-ce qu'ils m'ont appelé de venir les défendre? Ils m'ont envoyé. Quelqu'un m'a envoyé. Et puis vous les insultez, ne les insultez pas. C'est moi-même, je suis partie. Mais même si on m'a envoyé là, est-ce que j'étais obligée de faire? Je n'étais pas obligée. Il y a des gens ici qu'on les a appelés pour dire, faites ça pour moi, ils n'ont pas fait. Faites ça pour moi, ils n'ont pas fait. Est-ce qu'on les a frappés? On m'a forcé. On m'a attaché.
Même si on m'a envoyé là, est-ce que je t'ai obligé? Je n'étais pas obligée. Je n'étais pas obligée. Je ne suis pas la seule blogueuse. Je suis parente à ces personnes-là, non. Donc, je n'avais pas le droit. Moi-même, je suis star sur Facebook. Moi-même, je suis star. Est-ce qu'il y a envoyé quelqu'un? Est-ce qu'il y a envoyé quelqu'un? Hein? Moi-même, je suis star. Moi-même, j'ai mes abonnés. Je ne peux pas moi-même me défendre. Je passe mon temps à défendre les gens. On m'a envoyé. Quelqu'un m'a envoyé. N'insultez pas les gens. Hein? C'est moi qu'il faut insulter. La bête, là, c'est moi. La fille mouton, là, c'est moi. La gogole, là, c'est moi. Tout ce qu'ils ont dit, là, c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Voilà. Donc, je parlais de cette capture-là. Un pasteur qui a fait une révélation. On a vu ici le pasteur, là, qui a dit que bébé Philippe allait mourir. On a vu ici le pasteur, là, qui a dit que bébé Philippe allait mourir. First Magazine a partagé. Malgré il a dit bébé Philippe allait mourir là, les gens ont partagé ça. On voit des pasteurs qui font des révélations, les gens partagent. Mais comme moi, j'ai pris la capture là comme tout le monde pour partager. On dit que moi j'ai souhaité la mort de quelqu'un. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais vous n'allez pas vous en prendre au pasteur qui a dit là. Mais c'est Aya, vous pouvez vous en prendre à elle. Oui, parce que Aya, là, elle se mêle des histoires qui ne la regardent pas. Donc, c'est Aya, le pasteur qui a dit ça, le prophète qui a dit ça. Là. Vous ne pouvez pas vous en prendre. Non, vous ne pouvez pas vous en prendre à lui. Vous connaissez son Facebook, mais vous ne pouvez pas aller vous en prendre à lui. Les pages qui ont partagé, j'ai vu qu'Aïla Coupé décalé, plein de pages ont partagé. Vous ne pouvez pas vous en prendre à ces pages-là. Les pages d'Aferrage sur Snap qui ont partagé la même capture que moi, j'ai partagé là. Vous ne pouvez pas vous en prendre à eux. Voilà. Affaire des biscuits de mer, là. Il y a eu aussi le grand frère, là, qui a fait aussi une vidéo le même jour que Biscuit de mer est en train de se marier, là. Il a fait une vidéo quand il a montré le fils de Biscuit de mer dans la vidéo. Vous ne pouvez pas vous en prendre à lui. Le même jour du mariage où la fille est en train de se marier, là, lui, il était sur la vie de Biscuit de mer. Lui, il était sur sa vie. Il était en train de parler du mariage. Il était en train de montrer le fils de Biscuit de mer. Les vidéos ont parcouru toutes les pages. Je n'ai pas vu une parmi vous faire une vidéo pour recadrer cet homme-là qui est garçon et qui parle d'une femme. Je n'ai pas vu une. Je n'ai pas vu une. Mais vous dites que moi, je suis impartial. Vous dites que moi, je protège mes stars et puis j'affiche les autres. Mais vous qui n'êtes pas impartial, vous qui ne protégez pas vos stars, vous qui parlez de tout le monde là, ce gars, en tant que vous, vous devez vous lever sur lui. Parce qu'une femme, le même jour, la fille était en train de mettre bague et puis il faisait sa vidéo. Et quand il a montré la tête, de l'enfant de Biscuit. Il a montré la femme qui a eu 3 enfants un biscuit. Mais vous ne pouvez pas parler à lui. Est-ce que vous pouvez parler à lui? Vous ne pouvez pas. Vidéo là, toutes les pages ont relayé. Ça a fait le tour de Facebook. Ça a fait sur YouTube. Est-ce que vous pouvez aller lui parler? J'ai vu une ici faire une vidéo pour le recadrer. Hein? J'ai vu une ici faire une vidéo pour le recadrer. Mais comme moi, je fais mes affairages. Donc vous venez parler de moi. Si, le pasteur qui a écrit là, vous ne pouvez pas aller lui parler. Lui qui a écrit le texte qui dit que Biscuit de mer, vous ne pouvez pas aller lui parler. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai parlé de Biscuit de mer, je vous dis ça. Moi, Biscuit de mer là, je suis, ça dit que, quand c'est que je n'ai pas de problème avec cette femme. Il y a une page d'affairage camerounais, Swissnap. Le jour du mariage de Biscuit, c'est vrai que nous les Ivoiriens, on critiquait Emma. Mais cette page là, N'arrêtez pas. Et j'ai dit à cette page-là, il faut t'occuper de tes stars camerounais. Laisse-nous. On va parler de nos stars. Toi, tu es camerounaise, non? Ou bien tu es anonyme, tu es une page anonyme. Mais parle des camerounais. J'ai vu des camerounais, excusez-moi, je n'ai pas affaire à tous les camerounais d'ici, j'aime les camerounais. Mais j'ai vu des camerounais avec la forme. Là-bas, on dirait les anciennes valises en plastique. Mais cette page d'affairage, on ne parlait pas des Camerounais. Là. Pendant que moi, je passais mon temps à valoriser Coco. Pendant que je passais mon temps à mettre pour dire qu'elle est belle. Pendant que je passais mon temps à parler bien de son mari, cette page est en train de parler mal des Ivoiriens. C'est comme ça que j'ai fait un poste pour lui dire. C'est vrai que moi-même, là, je ne suis pas un exemple pour te parler. Hein. Je critique Emma. Mais arrête de critiquer la fille. Toi, tu es Camerounais. Faut parler de tes Camerounais. Enlève notre star
sur ta page. Laisse-nous les Ivoiriens là. On va s'occuper. J'ai parlé à la page, on va écouter. La page a commencé à toujours continuer à critiquer Emma. C'est comme ça quand j'ai reçu le papo, je suis venu m'asseoir aussi pour parler. Sinon, là, avant que Coco Emilia se marie, là, les gens étaient en train de dire que son mari est marié. Même ma copine, je dis son nom ici, Yélène. Yélène m'a appelé et me dit que, mais toi là, tu fais affaire, mais faut bien faire. Voilà, on dit que le mari de Coco Emilia est marié. Elle m'a envoyé même les photos. Je les bais parce qu'elle sait que moi j'aime Coco. Elle sait que j'aime Coco Emilia. Je l'ai bête. Je lui ai dit qu'elle ment. Juste quand je parlais bien du monsieur, quand on a dit que le monsieur ne s'occupait pas de ses enfants, j'ai pris le monsieur et ses enfants, c'est venu me mettre ça sur mon snap pour dire qu'il s'occupe de ses enfants. Et quand la maman des enfants là, est venue m'écrire, me menacer, pour me dire que d'enlever ses enfants, il a dit, mais je n'enlève pas. Toi, tu n'as pas dit que le monsieur ne s'occupe pas de ses enfants. Il n'est plus avec toi. Il vit avec une autre femme. Faut arrêter. Les gens m'ont dit, aïe, mais faut arrêter. La femme qui devait te parler, elle est ivoirienne. Toi, tu as défendu une Camerounaise pour laisser une ivoirienne, quoi. J'ai défendu le monsieur. Mais quand j'ai dit à la page d'arrêter de parler, elle n'a qu'à nous laisser, nous qui faisons affaire, parler de nos soeurs. Elle n'a qu'à s'occuper de ses soeurs. Elle ne m'a pas écouté. C'est quand je suis venue m'asseoir pour parler de Coco aussi. Et puis même là, j'ai parlé de son mari. Je ne suis même pas arrivée vers Coco. Donc la capture qu'on veut vous faire croire que moi j'ai souhaité sa mort là, c'est dans mon téléphone, dans ce téléphone là. Ce n'est pas moi qui l'ai posté. C'est un pasteur qui a fait sa révélation. On a vu des pasteurs ici faire des révélations. Oui, oui. On a vu un pasteur ici qui dit que, comment il s'appelle même, Baby Philippe allait mourir. Il a même donné la date. Un isunion a partagé, ça veut dire qu'elle, c'est elle qui souhaite la mort de Baby Philippe. First Magazine a partagé, où il dit, appelez Baby Philippe, va mourir. Toutes les pages ont partagé là. Ça veut dire qu'elle souhaite sa mort. C'est une information qui est sur Internet, tout le monde relaie. Je fais affairage. Oui, je vais dire ton nom. Oui, Yélène, parce que toi-même, tu m'as appelé, venir faire affairage sur le gars, il était bête. Faut leur dire ça ici. Faut leur dire ça ici. Voilà. Donc, c'est pas moi qui me suis... Je me suis levé pour venir faire ce poste-là. Et que vous allez vous lever pour penser que elle est ma mère. Et puis vous allez vous lever pour aller lui dire que faut venir recadrer Aya. Aya souhaite la mort de Biscuit. Vous êtes malades. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça, je vous demande. Les marabouts, là, ne m'énervez pas, hein. C'est moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est Aya, vous m'oincez. C'est Aya, c'est moi où vous pouvez frapper. C'est sur moi vous pouvez parler. C'est sur moi vous pouvez ouvrir votre gueule pour parler. Si, c'est sur moi. Si, ne me ratez pas. Aya, stop, être copine et cherche le sympa. Je sais même pas ce que tu dis, toi. Bref. Vous comprenez, non? Ne me ratez pas. Insultez-moi. Ne me loupez même pas. Voilà. Ne me loupez pas. I love coupé décalé à partager ça. Il y a des pages camerounais qui ont partagé ça. Vous n'êtes pas allé leur dire pourquoi ils ont partagé. Eux, ils ont le droit de partager. Hein. Mais quand il y a partage, ça veut dire qu'il y a souhaite la mort. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne vais pas être trop longue. Je ne vais pas être trop longue. Je vois que vous êtes en train de m'accélérer. Accélérez-moi. Insultez-moi comme vous voulez. C'est moi qui vous ai donné l'opportunité de que vous m'insultez. Parce que moi-même, là, je ne connais pas ma valeur. Moi-même, je ne me connais pas. Moi-même, je ne sais pas ce que je vaux. Si, je ne sais pas ce que je vaux. Voilà. Votre but, c'est de ne pas voir les gens m'approcher. Vous avez réussi. Toutes mes félicitations. Je vous félicite. Voilà. Je tenais à vous le dire, je vous félicite. En tout cas, vous avez réussi.
Buvez autant de champagne que vous pouvez. Fêtez autant de fois que vous voulez. Mais je tenais à vous le dire. Je ne suis pas associée à quelqu'un. La seule personne, pour le moment, est qui je peux aller jusqu'au fond. Pour le moment, hein, parce qu'il ne m'a encore rien fait. C'est mon grand frère Yaka Yaka. Oui. Vous avez essayé. Vous êtes parti lui dire des choses. Mais il m'a montré que ma petite soeur, peu importe ce qu'ils vont dire là, tu restes ma petite soeur. C'est ça qu'on appelle aimer une personne. C'est ça qu'on appelle hein, apprécier une personne. Voilà. Donc, en tout cas, je n'ai pas d'excuses à présenter à quelqu'un. J'ai juste à vous dire, vous avez raison. Vous pouvez continuer à m'insulter. Vous pouvez continuer à me dénigrer. Vous pouvez continuer parce que moi-même, je ne fais pas cadeau aux gens. Donc, vous avez raison. Ce que vous êtes en train de faire, je trouve que le volume n'est pas bon. Insultez-moi plus. Augmentez plus le volume. Dénigrez-moi plus. Faites tout ce que vous voulez. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Parce que c'est moi qui me suis levée. Me mêler de ce que ne me regarde pas. Je pouvais laisser parler de couper tête pour jeter avec Babu et Babou sans mettre ma bouche dedans. Ce n'était pas mon affaire. Ce n'était pas mon affaire. Lolo Beauté insultait les gens là. Je pouvais m'enlever dedans et puis continuer à faire mon tour de Yoro Gang. Ce n'était pas mon affaire. Ce n'était pas mon affaire. Apparemment, ici, avait commencé à insulter par rapport à, comment on appelle ça, même, par rapport à quoi là, même par rapport à l'argent qu'elle n'a pas reçu et tout et tout. Et puis elle avait commencé à. Je pouvais laisser ça. Ce n'était pas mon affaire. Ce n'était pas mon affaire. Je suis venue sur Facebook pour parler d'Arafat. Je suis là pour parler des stars. Je suis là pour faire mes affaires. Je ne suis pas là pour me mêler des histoires des gens qui font vidéo comme moi. Donc, si deux vidéos sont en train de s'insulter, ce n'est pas mon affaire. Si deux vidéos, même si je connais une vidéo, je connais un parmi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon affaire. À maman s'est levée ici insulter la maman d'Apuchou, ce n'était pas mon affaire. Son fils fait vidéo. Pourquoi lui-même n'est pas venu répondre? Elle a ses filles aussi. Pourquoi elles ne sont pas venues répondre? Je suis parente à elle? Non. Qui m'a envoyé de venir insulter la maman d'Akpama? Insulter la femme là. Jusqu'à... Pour aujourd'hui venir être la sorcière dans cette histoire, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû me limiter à mon histoire d'Akpama qui est venue me clasher sur l'affaire de... comment elle s'appelle même? La mère. J'aurais dû me limiter sur ça. Après, si peut-être elle attaquait mon grand frère Yaka, je allais sortir pour lui. Mais des gens que je ne connais pas, des gens même qui font vidéo, qui peuvent se défendre, j'ai quoi à foutre à venir parler dedans? Mon problème est quitté où? Mon affaire est quitté où? C'est mon affaire? C'est pas mon affaire. Donc, merci de m'avoir montré ma place. Merci de m'avoir montré ma place. Merci. En tout cas, je connais ma place. Je n'ai rien contre quelqu'un. N'allez pas insulter quelqu'un. Affairage du monde, s'il te plaît. Fais pas de vidéo pour insulter la dame. Elle a ses raisons. Elle a ses raisons. Elle ne me connaît pas. D'ailleurs, elle ne m'a jamais vue. C'est vrai qu'une fois, elle m'a demandé de venir chez elle et je n'étais pas disponible. Mais je ne suis pas partie. Et après, on n'a plus relancé ça. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas amis à la base. Moi, je me suis mise à la place d'une fan. Je suis une fan. Voilà. Elle est la star. Parce que c'est moi qui ai voulu. C'est moi qui l'ai demandé, en fait. Donc, elle n'est pas obligée d'être mon amie. On n'est pas, amis. On ne traîne pas ensemble. On n'a pas le même cercle d'amis. Donc, aujourd'hui, vous ne m'associez pas à elle. Elle-même m'a connue dans un ferrage. C'est qu'elle a su autant... Où je parlais bien d'elle, là on était associés. Là mon image pouvait s'associer. Aujourd'hui que je ne parle pas, les gens vont lui raconter n'importe quoi. Donc mon image n'est plus associée. C'est comme ça, la vie c'est ça. Quand tu défends quelqu'un, ton image est associée. Le jour tu ne défends pas, le jour, comment on appelle ça, les gens ils sont là pour ça. Les mêmes personnes là sont autour de mon téléphone, ils me disent que, tu as vu ce que le gars a dit, il entend et dit qu'elle a dit ça de toi, et puis j'ai dit qu'on miette. J'ai dit que je m'en fous de ce que vous dites. J'ai dit que le gars là c'est un menteur. Je me suis dit que c'est faux. Je n'ai pas venu faire poste. Et parce que si j'ai quelque chose à dire, il y a quelque chose à lui dire, j'ai son inbox, je vais lui dire. Voilà. Tout le monde peut parler d'elle, mais quand ça arrive sur moi, c'est-à-dire que tout le monde fait vidéo pour parler d'elle, mais quand ça arrive sur moi, c'est un problème. Donc, je suis un problème pour elle. C'est moi qui ne dois plus parler d'elle, je ne dois plus m'approcher d'elle. C'est moi qui suis un problème. Donc, quand il a quitté maintenant, là,
On est là, on est sur Facebook. On espère que depuis mon image n'est plus associée à qui que ce soit. À part, parce que je le considère comme quelqu'un de ma famille, en fait. Je le considère comme mon grand frère. Pour l'instant, je le considère comme quelqu'un de ma famille. Donc voilà, on n'a qu'à se désassocier, c'est important. Ce que je devais faire au début, j'ai fait. En tant qu'une personne qui était fan, comme vous le dites, une fan refoulée, je l'ai fait. En tant que fan refoulée, je l'ai fait. En tant qu'une fan refoulée, qui est refoulée maintenant, qui était une fan acceptée qui est refoulée maintenant, je l'ai fait. Je n'attends rien en retour. Je ne regrette rien. Je ne regrette pas quelque chose. Elle ne m'a pas envoyé. On n'est pas camarades. Donc, vous pouvez vous moquer. Allez-y, moquez-vous comme vous voulez. Ceux qui viennent, aïe, aïe, on t'avait parlé, laissez ça. Vous m'avez parlé, je n'ai pas écouté. Maintenant, laissez ça. Ce n'est pas grave. Aïe, votre aïe à la même n'est pas sain. Votre aïe à la même parle des gens. Votre aïe à la même critique Emma ici. Votre aïe à la même critique Amine. Votre aïe à la même n'est pas sain. Elle n'est pas truc. Votre aïe à la même est venue. Marie, que tout le monde. Bon, c'est vrai que les gens ont parlé du mal. Est-ce que aïe était obligée de parler? Aïe est venue parler. Mais aïe va toujours parler des stars. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe va toujours parler des stars. Donc, pardonnez. Faites ce que vous voulez faire. Mais à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un te dit que n'associe pas son image, n'associez pas. Je suis dans ma petite maison ici. D'après vous, je vis dans la maison d'un prisonnier. Vous seul, vous parlez. Vous dites que je vis dans une colocation, je vis dans un prisonnier. Je suis dans ma petite vie ici. Je vais rester dans mon petit coin. Et puis voilà, l'avenir du net nous dira. L'avenir nous dira qui est bien, qui n'est pas bien. C'est qui est sûr. Quand tu fais du bien à quelqu'un, il ne faut pas chercher à attendre quelque chose en retour. Si la personne en retour te rend une monnaie de la te montre que tu n'es rien, laisse la personne lui-même ou elle-même avoir sa propre honte. Tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait pour un, avec mon cœur. Je l'ai fait parce que je suis comme ça. C'est pas seulement sur Facebook. Dans la vraie vie, je suis comme ça. Oh. Dans la vraie vie, tu as affaire à quelqu'un que moi je connais, je fais pas la avec toi. Je suis comme ça dans la vraie vie. Je me bats. Il y a elle là-même aussi. Mon ex-ami là. Je suis allée me battre à une femme au marché de Macori. Juste quand j'ai mordu la femme, on s'est retrouvé à la police. Mais il est venu sur Facebook, il m'a insulté. Oui, il m'a insulté. Donc vous n'êtes pas les seuls. Même des gens que j'ai connus dans la vraie vie m'insultent. Donc pourquoi? C'est pas grave. Laissez-les. Si Aquaman veut m'insulter, laissez Aquaman m'insulter. Est-ce Aquaman c'est odieux à m'insulter? Si peut-être pour jeter veut m'insulter, laissez-la m'insulter. Si pas Babi et Maman Babon veut m'insulter, laissez-les m'insulter. Laissez-les se mettre à l'aise. Si vous avez besoin d'informations sur ma vie, rentrez dans mon inbox, je vais vous donner les informations. Si vous voulez des nudes, là, tu dis que je vais chercher à aller me soigner. Hein? Je vais chercher à aller soigner mon nien qui est pourri en bas de moi. Là. Je vais chercher à aller soigner. Hein? Je vais prendre, comment on appelle le médicament même, l'omicline pour aller me soigner. Où je suis assise, là, même mon nien est en train de couler. J'ai mis beaucoup comme ça en bas. Tu as vu qu'il y a même une photo qu'il a appuyé, même il a enlevé tout, hein, au moins la moitié. C'est en bas dans le coton. Donc il faut que je parte me soigner. Ah, ya, ton nien est pourri. Au lieu d'aller soigner ton nien, c'est toi qui viens te mettre sur Facebook pour défendre des gens qu'on ne t'a pas envoyé. Donc où je suis là, conseil d'apparemment, je vais prendre. Je vais aller soigner mon nien. C'est pourri en bas de moi, je vais aller soigner. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que toujours en train de chercher amitié avec les stars. Oui, oui. Toujours en train de chercher amitié avec les stars. Toi-même, tu cherches amitié avec les stars, non? Est-ce que toi-même, s'il y a une star qui veut de toi, tu ne vas pas accepter? Hein? Tout le monde cherche amitié avec les stars. Est-ce que je suis la seule? Toi-même, là, même si tout de suite, là, hein, je vais dire quoi? Hein, il y a une star qui veut être amie et toi, tu vas refuser. Tu ne vas pas refuser? On ne faut pas se voiler la face. On cherche tous amitié avec les stars. On cherche tout ça. Une fois que tu es. Aujourd'hui, là. Mon ex-ami là, il a beaucoup de vues. Tout le monde veut être lui. Tout le monde cherche son amitié. Au moment où il n'avait pas de vues, est-ce que quelqu'un le voulait? Donc peut-être le jour moi aussi, il y a avoir beaucoup de vues aussi, par la grâce de Dieu là. Les gens se cherchent à être amis et moi. Aïe, qui cherche pas à être ami Esther? Qui cherche pas? Nous tous on cherche amitié Esther, papa. Ou bien toi qui as écrit là, faut réfléchir. Voilà. Voilà, faut réfléchir. Je cherche amitié instant. On dit quelqu'un en visibilité, quelqu'un inconnu. Je n'ai pas de chercher amitié. C'est comme ça. Oh. C'est la vie qui demande ça. Toi-même, papa, faut regarder une chose. Hein. Tu as un ami qui traîne au quartier. Tu as un ami qui traîne au quartier. Il ne connaît même pas Kumasi.
Il n'a jamais vu Kumasi. C'est-à-dire que tu habites à lui à Bobo. Hein. Exemple. Tu habites à lui à Bobo. Il n'a jamais pris voilà Kumasi. Et quand il s'arrête à Bobo, quand il faut à Bobo faire photo, là, il a au moins 3 j'aime, 5 j'aime, 6 j'aime. Mais une fois qu'il prend avion, il arrive au Maroc, bien en France. S'il a mis photo où il est à côté de Tour Eiffel, là, il va avoir 2000 j'aime. Si, si. Parce qu'il est venu en France. Vous allez tous les revenants qui sont dans sa liste d'amis, là, ils vont aller aimer. Ils vont aller aimer. C'est comme ça. Pourtant, il faisait photo au Carrefour pour un point d'Abobo. Il faisait photo à côté de Baka. Vous n'avez jamais aimé. Sa photo, là, souvent, même, il n'y a même pas commenté. Il n'y a même pas quelqu'un qui a liké. Quand vous arrivez sur sa page, arrivez sur sa photo, là, vous défilez comme ça. Hein? Mais parce qu'il est venu s'arrêter à côté de Tour Eiffel faire photo, là, tous les amis qui sont dans son Facebook, là, vont sortir. Tu as un ami qui est au quartier. Il a fait son casse. Au quartier, on l'appelle Seydou. Tu te moquais de son nom, tu dis que Seydou. Ça, c'est que c'est. Mais si DJ Miss tout à l'heure avait Seydou, 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 Seydou. Il a chanté, tu cries Seydou, Seydou. Il a spot de DJ Miss là. Son nom Seydou là, vous allez charger sur votre tête. C'est comme ça. Parce que DJ Miss a chanté son nom. Parce qu'il a le nom. Attends, Seydou là, vous avez renié ça. Mais aujourd'hui, vous allez charger Seydou. C'est comme ça. Moi, je faisais des vidéos au début ici, des gens m'insultaient. Les gens m'insultaient. Aujourd'hui, comme je suis connue, ceux qui m'ont insulté là sont venus vers moi. C'est cela la vie. Tu ne cherches pas amitié, star. Même les stars eux-mêmes cherchent amitié, star. Si, si. Les stars que vous voyez là, eux, ils cherchent, c'est que. Ou rien. La mère que vous voyez là, si elle a eu amitié de rien, elle ne va pas refuser. Si elle a eu amitié de Maëva Guénab, elle ne va pas refuser. Si elle a eu amitié de stars qui ne se sont pas refusés. Donc, il ne faut pas qu'on se voile la face. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Quand tu as des vues, une fois que tu ne fais... C'est-à-dire que quand quelqu'un finit de se servir de toi, une fois que tu ne rapportes plus rien à la personne te jette et cherche à aller se rallier à une autre personne comme ça. C'est comme ça. Avant, j'étais la fille chérie, la petite soeur chérie, des papas, babu et puis maman, babou. Mais aujourd'hui, comme je suis allée faire la paix et que d'après vous-même, je n'ai plus de vue, c'est Akpama et puis peut-être pour jeter qui est ses enfants parce que c'est eux, d'après eux, qui ont vu à l'heure là, qui ont non. C'est comme ça, c'est Facebook. C'est Facebook. Hier, j'étais la fille de Maman Bleu Brigitte. Aujourd'hui, je ne suis plus sa fille. C'est Akpama et puis Akpama qui est sa fille. Son frère même, son fils même, j'étais sa camarade, sa soeur. Aujourd'hui, c'est Akpama qui est son ami. C'est la vie, c'est Facebook qui demande ça. Donc, c'est pas grave. J'ai compris, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. La vie est comme ça. La vie est comme ça. On cherche tous à aller où c'est bon. On cherche à profiter où c'est bon. Je ne sers plus à rien aux gens. Donc, qu'est-ce qu'ils vont foutre avec moi? Il faut que je bataille Dieu pour revenir en force. Pour avoir aussi les 100 000, 500 000 vues. Et puis, les gens aussi vont venir m'aimer. Mais pour l'instant, là, je ne suis rien. Pour l'instant, lui qui mousse, la personne qui mousse, là, vous le connaissez. Donc, tout le monde veut son amitié. Moi, c'est qui? Moi, je suis rien. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, mes attaquantes. C'est pas grave. On va faire nos petits bouts de chemin. Laissez la dame. N'allez pas l'insulter. Ne faites pas de direct pour l'insulter. Je vous en supplie, pardonnez. Attends, je vais l'appeler celle-là. Ne faites plus de direct pour l'insulter. Je ne veux pas venir me prendre la tête. On dit que Ayaka fait les histoires avec des gens après. Non, 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 je ne veux pas faire ça. Si j'ai envie de lui parler, je place mon téléphone pour lui parler. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Voilà. Je vais appeler ma vieille mère là pour lui dire. Et puis, on va se laisser tranquillement. C'est pas grave. Allô, oui. Mamie. Allô, mamie. Faut couper l'autre micro là. J'ai vu que on m'a appelé que tu t'entends insulter là. Faut laisser pas. Donc faut supprimer ta vidéo. Je n'insulte pas. Non. Quand ils viennent te parler là, je suis un peu fatiguée justement. Quand ils viennent te parler, ils n'ont pas dit ce que je disais. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Non. Je leur dis simplement, puis je vais dire ça dans ton direct. Je dis hier ici, on est venu la défendre parce qu'ils avaient insulté son
enfant. C'est pas toi qui m'avais envoyé. Ni Yaka, ni personne. J'ai trouvé que c'était injuste. Ok? C'était injuste. Mais cette personne-là, quand tu étais amitié avec elle-là... C'est pas grave, mamie. Tu as fait... Tu peux supprimer tes directs. Non, non, si vous m'écoutez, tu peux supprimer tes directs, s'il te plaît, pardon. Je te demande pardon. Faut supprimer. Je vais supprimer. Il n'y a pas de problème. Je vais supprimer. Merci. Je vais supprimer. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, là, toi-même, tes personnes, là, toi-même, là, il faut toi-même ta propre personne d'abord. Il n'y a pas de problème. Tu m'as déjà dit, on va s'appeler tout à l'heure pour parler de ça. Mais pardon, à cause de Dieu. Je vais supprimer. Il n'y a pas de souci. Merci pour le respect. Merci beaucoup. Donc, je m'excuse pour elle. Hein. Je m'excuse pour elle, franchement. Je m'excuse si elle a manqué de respect. Tous les fans de EK, je m'excuse auprès de vous parce que vous m'avez appelé pour me... Je m'excuse. Voilà. Je m'excuse. C'est pas grave. C'est la vie qui est comme ça. Hein. Voilà. On n'a qu'à continuer. Laisser les gens qui veulent m'insulter, m'insulter. En fait, tout à l'heure... Quand je parlais, puis mes larmes ont voulu couler. C'est quand je m'écoutais, en fait. Je m'écoutais en train de parler, là. Je suis Aya, hein. Je joue la dure, mais je suis quelqu'un de très, très sentimental. Donc, vous allez peut-être me prendre pour une faible. Vous allez peut-être vous appuyer sur ça pour m'insulter. Mais il n'y a pas de souci. Vous avez... Mamie ne supprime rien. Oh. Regardez-moi les choses comme ça. Vous êtes là, vous êtes en train d'allumer le feu. Elle va supprimer. Elle va supprimer. Voilà. C'est mon affaire. Yedia n'a qu'à supprimer. Elle va supprimer. Voilà. C'est mon affaire. Yedia n'a qu'à supprimer. Elle va supprimer. Voilà. Donc, la famille, merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci beaucoup pour vos appels, pour vos messages. Je suis vraiment touchée. Pour tous vos messages, je vous dis un grand merci. Excusez-moi. On ne peut pas plaire à tout le monde. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Pour les produits jus d'orange, vous pouvez me contacter au plus 337 58 47 96 73 ou le 06 05 94 03 62. On a des parfums disponibles. Deux parfums achetés, un parfum offert. Donc, deux parfums à 60 euros. Un parfum à 30 euros, mais vous achetez deux et on vous offre un. Vous avez trois parfums en gros à 60 euros. Et on a les gammes jus d'orange qui sont disponibles aussi. Donc, contactez le numéro que je viens de vous donner tout à l'heure, plus 337 58 47 96 73 ou le 06 05 94 03 62. Merci à tout le monde. Vraiment, merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à Meshika Ferré. Merci à mes attaquantes. Merci aux vraies personnes, quoi. Merci à toutes ces tatas-là qui m'ont appelé pour me dire de laisser pour moi. Adieu, j'ai laissé pour moi. Voilà, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Celui qui veut m'insulter, le champ est libre. Insulte-moi. Fais ce que tu veux. Voilà. Aujourd'hui, c'est mon tour. Ne me ratez pas parce que vous n'allez plus me gagner, en fait. Vous n'allez plus me gagner. Ça, c'est fini, ça, en fait. Vous n'allez plus me gagner. Donc, profitez pour bien m'insulter. Mettez-vous à l'aise. Insultez-moi. Pardon, venge-toi de moi. Faut bien te venger. Combien de fois j'étais insultée pour les gens là? Faut pas me rater. Ou peut-être que j'étais. Venge-toi bien. Insulte-moi propre. Payez toi, mais t'es pas raté aussi. Faut même pas me rater. Voilà. Faut bien appuyer. Là, je vais chauffer de l'eau. Il faut que je parte bien me nettoyer. Puis je vais utiliser l'eau mousseline là. Pour nettoyer mon yen qui est en train de couler en bas de moi. Allez, et puis je m'assois pour venir. Me mêler d'affaires qui ne me regardent pas là. Je vais aller bien soigner ça. Je vais aller soigner ça. J'ai compris vos conseils. Hein. Tous ceux qui m'ont donné des conseils, je vous dis merci. Tous ceux qui m'encouragent, je vous dis merci. Prenons soin de nous et puis laissez la vie
elles-mêmes sont chargées de chacun de nous. Bonne nuit et que Dieu vous protège.